Bonsoir à tous et à toutes sur gamerslash.fr. On se retrouve pour un jeu signé TF1. Ce soir c'est soirée TF1 avec Grey's Anatomy. Je suis en compagnie de Shane et Gonzo. Salut. Vous êtes prêts pour le spectacle? Oh oui. Oh putain, déjà rien que la gueule des deux personnes. Ouais. Paye ton menu déjà qui fait envie. Alors ça c'est un jeu qu'on connaît pas. Petit tour d'horizon, c'est un jeu développé par Longtail Studio, édité par Ubisoft. Aventure, party game, ouais, c'est un bien grand mot. Sorti le 12 mars 2009 et déconseillé au moins de 12 ans. Donc visiblement un étron, hein, comme ce qu'on a commencé à tester depuis le début de soirée de toute façon. Et puis, visiblement, donc t'es le plus connaisseur de nous trois sur Grey's Anatomy, puisque moi je n'ai jamais vu un épisode. Et regarde ça avec sa nana. C'est ce qu'il nous disait. Voilà. Comme d'habitude. C'est signé, voilà. C'est un copyright. Voilà, j'ai mon copyright. Voilà. On a chacun de notre. Et on fait un petit réglage du son pour éviter que... on ne pollue trop. Ouais, puis ça permet de voir les personnages des menus, c'est cool. En plus, ça change. On galère aussi déjà dans le menu. C'est dynamique. Alors, la résolution, c'est quoi? C'est du 800 x 600 parce que ça a l'air vachement... Ah ouais, c'est chaud patate. Épisode 1, c'est parti. Moi, je vois emplacement 1, mais c'est pas grave. Oui, là, c'est bon, épisode 1. D'accord. Acte 1, scène 1. Et voilà, on est parti. Magnifique. Alors, un jeu sorti en 2009. Ouais, il faut le préciser quand même, 2009. Hein. Pensez à tout ce qui est sorti en 2009. Ouais, mais alors après, à quel prix c'est sorti? Bon, ça va, c'est pas... c'est détouré, façon cel shading, un peu ce que ferait Telltale avec un Walking Dead ou... Avec plus de talent quand même. Ah oui, bien sûr. Mais bon, ouais, c'est pas non plus, il y a pire. Et donc, tout de suite, on te propose de faire un choix. Attention, attirer l'attention de Perek. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'on fait? On fait du... je sais pas, mais tu penses un peu cocu, hein. Tu viens juste d'arriver au boulot, ça y est, faut déjà que tu dormes. Ah, c'est ça, hein. Fais ta chaudasse là. Ouais, moi je fais direct. Vas-y, fais ta chaudasse. Allez hop, c'est parti. Le temps imparti pour atteindre l'objectif sera limité. Oula, il y a du défi en plus. Faut que tu lui montres ton ticket de métro, direct. Pas de problème. Clique pour poser. Ah d'accord. Ah, donc en fait, faut faire un puzzle pour tuer un mec. C'est une blague. C'est une blague. Ce qui est bien, c'est que c'est facile, tu peux balancer où tu veux. Ah, non, j'ai fait un échec en plus. Tu n'arrives pas à me concentrer. Là, on a affaire à un énorme jeu. Il y a du challenge. Ça a l'air nul. Ça a l'air nul. Qui a joué à ça? Je veux trouver des gens. Papa. Au choix. Te permet d'aider Meridith à prendre une décision. Est-ce que je dois recommencer encore parce que... Allez, vas-y, t'es chaud. Je vais faire du charme. En plus, il faut recommencer, quoi. Oh là là. Ce jeu est horrible. Bien plus que les visiteurs. Moi, je sais pas si ça peut être pire que les visiteurs. Les visiteurs, c'était quand même compliqué, hein. Et c'est parti. Ah non, j'ai fait se faire prier comme un con. J'ai assemblé la mauvaise carte de Chaudas. C'est bon, ça va nous permettre d'avancer. Tu fais ta sainte nitouche pour le départ, ok. Ouais, j'ai pas eu le choix, j'ai pas arrivé à faire d'autres cartes. Défi. C'est l'heure du duel. Qu'est-ce que c'est ce jeu?
Oh là là. Oh là là, et c'est un jeu 3DS sur PC. C'est une blague. Oh mon dieu. Sur 3DS en plus. Fallait juste faire ça. Oh bah là, elle là. Allez. Elle l'a fait pour hanter 2 minutes en fait quoi. On a fait je sais pas trop quoi là pour faire un baiser. Ah c'est horrible. Je précise que je n'ai pas les dialogues moi donc Ah pareil. Qu'il n'y a pas de sous-titres. Je n'ai pas dit les dialogues non plus malheureusement. J'ai trop coupé les sons. Alors qu'est-ce que je dois faire là? Ok. D'accord, c'est passionnant donc. Oh là là. C'est quoi ce jeu? Je comprends pas le but. Bah y a pas de but en fait, non. C'est un jeu à l'arrache. Oh là là. Je dois déjà. Vite. Ok, essaye à nouveau. On s'en fout si tu quittes. C'est pas notre problème. Alors, faire disparaître les doutes. Ah d'accord. Je pense qu'il faut avec un jarter ouais, les autres en fait. Un maximum. On a évacué le doute. Non. Et c'est moi qui joue à ça. C'est terminé. Quelle sort la prochaine? Chef des internes. Et non, j'ai un grade de fou. Acte 1, scène 2. Christina. Elle va avoir des fantasmes lesbiens aussi, du coup. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Parce que y a pas l'air d'avoir grand chose de médical dans ce jeu. Hein. Apparemment, il y a des interventions. Ah ouais? Mais bon, j'ai mis le jeu. J'attends pas un truc de fou. Oh, c'est une catastrophe. Opération. Ah bon, on va revenir aux opérations. Quand même. Allez hop. Désinfecter la zone, pas de problème. Et on va l'ouvrir. Ouais, il faut que tu colories tout l'intérieur en fait. Ah ouais, c'est vraiment le truc basique quoi. Allez hop, c'était vite vu, on est vite guéri, gars. Merci, au revoir. Bon, c'est un jeu bien pourri. Hein. Non, c'est cool. Ça donne envie. Hein. Ouais, là, franchement. Pas envie du tout. Hein. T'as trop de la chance. Franchement, moi je scotche, hein, je dis rien là parce que je suis subjugué. Hein. T'es pas terrorisé plutôt? Non, non, subjugué, c'est le mot.
c'est nul. Ah, c'est là, voilà, j'aime bien t'entendre dire. Ah, il faut rechasser les doutes. Encore? Ouais, en plus c'est répétitif à mort. On l'a déjà fait. On a chassé les doutes. Je pense qu'on a pratiquement fait le tour. Hein. Ah la blague. C'est une énorme blague. Ce truc. Appendice. C'est dommage parce qu'il y a l'air d'avoir un effort de fait sur la narration, sur... Je pense. Hein. C'est pas pire les animations, des cinématiques et tout, mais... Faut pas que tu relâches. Bon, je l'ai déjà fini. C'est ça. Une dizaine de fois au moins. De couture quoi. Ouais, non mais on voit que t'as été en prison et que t'as appris à coudre. C'est quoi là, je me lave les mains ou quoi? Non, faut que tu frottes la zone. Fais une petite le jeu. Ah mais moi vous m'avez perdu depuis longtemps. Hein. Ah ouais, Mister Po, il est en mode off, hein. Moi aussi, en même temps, je dis ça, mais ouais, c'est vrai que... Pfff, faut pas réfléchir, hein. Non, surtout pas. Le problème, c'est quand il joue. C'est encore pire. Donc voilà, vous avez différents personnages, hein. À mon avis, ça serait peut-être bien. Alors, je suis pas sûr que ça serait peut-être, à mon avis, il y a plein de trucs intéressants après. Tu crois? Alors, on va jouer un beau gosse. Regarde ce faux Matt Pokora. Ah tu vois, on l'a pas fait celui-là. Ah bah attends, c'est vrai qu'ils ont changé de scalpel pour autre chose. Il y a un effort de fait. Être honnête. Non, faut pas que tu prennes les rouges. Non, prends pas les rouges. C'est exactement ça. Défi. Putain, je me suis fait encercler, quoi. Si je refail, on se retrouve sur de la qualité. Là, il y a du challenge, là. C'est une bonne blague. Allez, je vais prendre amour, vu que ça a l'air d'être plus simple. C'est d'être hostile. C'est pareil. Ah merde, le compte de base. Allez, on va essayer une dernière. Ça, c'est le boss du jeu, en fait. Voilà. C'est pour vraiment débloquer la scène inédite de cul. Ouais, beau jeu. Alors, te fais pas encercler. Mais c'est tout le temps le même truc, en fait. C'est ça. Voilà. C'est tout le temps les mêmes patterns. Alors... Défi, c'est l'heure du duel. Ah oh, puis les mini-jeux sont vraiment à chier quoi. Tu dois déchirer la photo? Ouais. Oh mon dieu. Je pense qu'on doit rompre. Il doit certainement lui dire ça.
personne. Ah non, il lui roule une pelle. Il vient de déchirer la photo, il lui roule une pelle. Bon, faut choisir. Il fait ce qu'il veut en fait. Il n'y a pas de script. Je ne suis pas. Bon, ça a chié, moi j'en ai marre d'y jouer. Bah arrête, non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que t'en as marre d'y jouer, on le finit. Oh non, on le finit pas, t'es fou. On finit le jeu ce soir. C'est one shot sur Gamers Live, mesdames et messieurs. On finit le jeu. En fait, ouais, c'est... Non. C'est la nuit Grey's Anatomy. Parce qu'après on le refera, mais on mettra les doublages en russe. Faut faire quoi là? Le prochain Grey's Anatomy qui sort en chaîne se change en vitesse. Bon, c'est mort, oui. Obligatoire. Non. Déjà celui-ci devrait figurer dans le label Shane sur Steam. Ouais. Dans la liste des 50 jeux. Ah bah là il est 100% approuvé. Dans le bundle, à prix fort. Sachant que sur la Fnac vous pouvez le trouver à 1,79€ ou 90 centimes en occasion. Et par le Golden Shell, ça coûte 150€ minimum. C'est un collector aussi. Avec 125€ déjà pour ma poche. Pour la signature, faut bien payer le label. Hein. Bah oui. Il y aura une belle phrase de moi sur le package. Un jeu époustouflant. Oh là là. Ok, qu'est-ce que tu dois faire là? Quoi? J'ai rien compris. J'ai envie de me barrer. C'est quoi le projet? Il faut faire quoi? Comment ai-je pu louper ça? Bon, à plus. On se retrouve sur un autre jeu. Ah non, mais attends, tu peux pas rester sur un échec. Il faut comprendre le principe de ce mini-jeu. T'es fou. Mais il faut faire quoi? J'ai rien compris. T'es fou. Regarde, je te laisse. Voilà, mémoriser l'ordre est sans importance. Mais l'ordre de quoi? Ah oui, d'accord, il faut éclair, l'espèce de cœur et le bonhomme vert, ok? Vas-y. Là. Alors, l'éclair, le cœur et le bonhomme vert. Énorme, procédure terminée. Ça, tu vois qu'on a bien fait continuer. On va le one-shotter le jeu, je vous le dis. Non. Ce soir, on le termine. Non. Tiens, regarde la blondasse, là. Il y a combien d'heures de jeu sur ce dôme? J'ai pas que c'est fini dans 5 minutes. 25 heures. Oh, putain. En speedrun. Tu sais que c'est un RPG, quoi. Et le truc, c'est un New Game Plus. Après, tu refais toute l'aventure avec chaque... personnage individuellement. Voilà, de niveau 99. Oh, le petit clin d'œil. On a des grades de malade. Un gars nous amène un gosse. Alors... Ah, trop bien. Ah, il faut encore éviter, il faut prendre les rouges. Non, on commence à comprendre le principe. Ah, on est bon là, on va le speedrunner là, moi je vous le dis. Comment j'aurais bien vu que ce soit Shane qui l'a souri entre les mains. Non, mais moi j'ai déjà souffert, allez, assez longtemps, avec Fort Boyard et... Ah, ouais. Je ne sais plus quoi. Et Fort Boyard. Allez, on fout le gars chez la babysitter. Bonjour.
en tout cas. Et oui, vous croyez que j'allais quitter. Il faut que tu déplaces, ouais, voilà, jusqu'au point jaune. Non, faut que tu déplaces les jaunes jusqu'au noir, je pense. Jusqu'au cible, je veux dire. Ah ouais. Échec. Gros fail. Tucker va être furieux, bordel. Non, ce qui est bien, c'est que tu peux recommencer. Chris Tucker est pas content. Putain, les gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire les mecs kiffent la merde. Bah ouais, mais c'est pas un mauvais jeu, arrêtez de dire n'importe quoi. Tout le monde, tous les sites vous font des vidéos de Tomb Raider, de Bioshock, de Gears of War, et ben nous on préfère vous montrer des jeux qu'ont marqué l'histoire du jeu vidéo en quelque sorte. En quelque sorte. Alors, d'abord que tu bouches du bas, ouais, voilà. Et je pense que voilà, la différence elle se fait à ce niveau-là, quoi. Les grands jeux, c'est chez nous. Comment le mec il prend son truc, quoi. Ah ouais, là. Gozo, il peut vendre n'importe quoi là. Ah bah attends, dans la vraie vie, je fais du commerce, donc bon. Je fais du commerce, mais je dois être honnête. Et le gosse, balance-le par la fenêtre, ben Dieu. Ah putain. Un peu d'action. Un zombie. Un zombie dans l'hôpital. Ah mais tu veux switcher de personnage. Pour y revenir plus tard dans le prochain épisode. Ah, il y aura pas de prochain épisode vu qu'on le one shot. Mais il est déterminé, quoi. Franchement, non. Il va avoir le droit à une déco. Ah, on se retrouve sur de la qualité. Le petit va faire une prise de tâche, quoi. Non, n'arrêtez pas. J'ai fait stopper la baraque. C'est trop un bon jeu pour s'arrêter, je veux dire, là, maintenant. C'est pas comme si, tu vois, ça, c'est nouveau. Tout à l'heure, c'était pas un rond, c'était un ovale. Picouze. Ouais, vas-y, pique-lui dans la tempe. L'endroit qui n'a rien à voir. Excusez-moi. Je vous ai piqué dans la tempe. Quoi? Ça aurait été trop beau, ça. Ça aurait pu être fun, ouais. Je suis au bord du suicide. Ah, moi, je suis écroulé de rire. Oh, c'est ridicule. J'ai pas compris là. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ça y est. Pas capté. C'est un Tetris, quoi. Un Tetris raté. Même ça, ils l'ont raté. Ah. Oh putain. Clique sur trois boules côte à côte.
Mais quelle couleur? Peu t'importe. Non, c'est celle-là. Oh, mais ça veut rien dire. Ok, je viens de comprendre. Il faut plusieurs échecs pour comprendre dans le jeu. Bien sûr. C'est un die and retry le truc. En tout cas c'est chouette hein. Oh. C'est parti. Je préfère mentir donc. Ouais. Yeah. Mentir. Oh, le charisme des personnages, c'est incroyable. Oh non. Fini jeu. En plus, ils te prennent pour un demeuré, ils te flèchent le truc. Au moins. Franchement, s'il n'y a pas une suite, je serais étonné. Hein. Sur Next Gen, peut-être. Parce que là, on sent bien qu'on est taqué pour les générations actuelles, hein, techniquement. Ouais, pour ça, c'est pour ça qu'ils n'en ont pas ressorti. Ah non, ils étaient déjà taqués, donc ils ont pas voulu ressortir une suite juste avec une histoire différente. Ils voulaient refaire un deuxième gap technologique, je pense. Parce que celui-ci a mis un peu tout le monde d'accord quand il est sorti. L'histoire ne dit pas si les gens étaient d'accord dans le bon ou dans le mauvais sens. C'est bizarre, elle me dit quelque chose ce mini-jeu. Pas moi. Ouais ok, non t'as raison, je dois confondre avec un autre jeu. C'est inédit. Quoique si, ça me dit quelque chose aussi. Graphiquement c'est beau hein, quand même, les mini-jeux là. Les effets, tout, les sphères sont bien faites. C'est plutôt réaliste. Parce que c'est vrai que bah, dans notre vie, quand on est confronté à un problème, un choix, on a souvent à faire ce genre de petits mini-jeux. En tout cas, on se demande ce que tu fous sur Gamers Live, Julien, parce que t'aurais pu devenir médecin. Sans problème. C'est clair. Quand on voit avec quelle finesse tu fais ça... Là, je suis un médecin dans l'âme. Quand je comprends pas toutes les consignes. Ou charcutier, c'est au choix.
fail. Tu devrais être capable de faire ça, c'est à nouveau. J'en ai réellement envie. Je pense que oui. J'entends au son de ta voix que tu serais triste de t'arrêter maintenant, mais bon. J'ai quand même lancé plusieurs perches pour arrêter. Faut pas que tu l'enfonces plutôt le tuyau après. Plutôt que d'essayer de le sortir. Ouais. Un fer de 4 fer de 4. Là. Défi. Bravo. Bravo, docteur Julien. Énorme, j'ai sauvé le patient. Je dis oui, monsieur. Ah, encore le truc pour mon goal. Ça craint. C'est vraiment le jeu qui prend pour les coups. Puis alors l'autre nana, c'est quoi ce bonnet à poids là? On est dans un hôpital sérieux, madame? Elle est à la piscine, madame. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? On va pas prendre sa douche, hein. Examine les yeux. Qu'est-ce que tu veux faire là? Je sais pas du tout. C'est la bonne question. Ah voilà. Aussi t'as plus dans l'œil. Ouais, il faut que tu laisses appuyer, d'accord. Échec. Ah mais c'est mal expliqué aussi, le temps qu'on comprenne. C'est-à-dire que normalement, on vous le dit pas, mais il faut faire bac plus 5 hein, pour terminer le jeu. Sinon, il y a un moment où vous allez vous en tirer un peu niais, hein, clairement. En médecine. C'est ça. Bah, ça aide. Hein. Si vous avez fait médecine, c'est sûr que non seulement ça aide pour faire le jeu, mais aussi le jeu vous aidera pour vos études. Hein. Clairement, si je veux dire, entre 2 heures de révision ou 1h30 de Grey's Anatomy, il n'y a pas photo. Hein. Je pense que Grey's Anatomy, c'est à mon avis meilleur pour l'apprentissage de la médecine. Ça peut susciter des vocations. Oh, certainement. Bravo docteur. Bon et du coup vu que t'en as marre on va peut-être s'arrêter là. Ah ça c'est une belle parole. Qui veut mourir? Il y a moyen que je ressorte avec des séquelles. Il y a
y a moyen que tu y rejoues sur tout ton côté une fois qu'on aura terminé. Moi je suis sûr que si. Pour faire genre t'es là en train de dire que c'est nul, mais je suis sûr que t'as complètement adhéré au concept des 5 premières minutes du jeu. C'est pour ça que tu peux pas trop prier pour continuer non plus, là tu vois. Tu vois, j'ai dit tu veux pouvoir dire au revoir. Le gars il continue à faire des petites expériences, à chasser des doutes, à ouvrir des enveloppes, à faire ce que tu veux là. Ah, le gars continue à jouer là. Je suis là pour la caméra. Je suis là pour que vous ayez l'image et tout. Genre le gars c'était vous quoi. On va se quitter là-dessus. Ouais, en ayant fait quasiment de bonnes parties des deux premiers actes. Bah, je pense que ça, ouais, ça va représenter... Ça vous donne une, ouais, voilà, une bonne idée du jeu. En gros, c'est un excellent jeu. Le problème c'est qu'on peut pas forcément tester maintenant, enfin à moins de faire un test oblige, mais ouais, si on veut le tester, je pense qu'on mettrait quoi, 8,5, 9 sur 10. Oh facile. Ouais. Est-ce qu'on serait autorisé à faire un 11 sur 10 éventuellement? Peut-être. Peut-être. Un 15 sur 10, allez, soyons fous. 15 sur 10 parce que ça a l'air bien. L'histoire a l'air bien quoi. Ouais. C'est surtout au niveau scénaristique que tout. C'est ça. On va aller au bout. On se dit à très bientôt sur Gamer Style. Ça roule, salut. Allez, ciao. Salut.